La thématique qu'on va aborder ensemble, c'est une thématique défensive. Et l'idée générale que je vais vous présenter, c'est une défense ouverte à la balle. Cette défense, en toute humilité, c'est des morceaux que j'ai piqués à droite, à gauche dans la conception. D'abord beaucoup sur le basket universitaire, notamment l'Université de Virginia, qui défend énormément de cette manière-là. Donc le nom de, ils ont donné un nom à cette défense, s'appelle Pipeline Defense. C'est une défense avec des lignes défensives. Donc on reviendra là-dessus. Mais il y a beaucoup de monde en Europe qui utilise des morceaux de cette défense. C'est le cas du Fenerbahçe et c'est le cas aussi pour nous en Pro B de Rouen, également de Roanne. Et quelqu'un qui le fait beaucoup avec les jeunes, c'est Jordan Bernard à Rouen avec ses jeunes. Il le fait très très bien, il travaille très bien de cette manière-là. Et vraiment, de la manière la plus simple, je vous le dis, chaque fois que j'observe quelqu'un ou des choix défensifs, j'ai aucune peine s'ils vont dans le sens de notre philosophie à les tester, voire à les ajouter à notre stratégie collective. Donc c'est la défense qu'on met en place avec Vichy en Pro B. Alors, paradoxalement, l'an dernier, en termes de nombre de points, en termes de nombre de points encaissés, on faisait partie du dernier tiers du championnat, défensivement. Mais par contre, il y a une statistique qu'on essaye d'observer et qui me paraît plus judicieuse, c'est le nombre de points par possession. Et quand on observait le nombre de points par possession, là, on devenait quatrième, cinquième défense à égalité. Et comme on était l'équipe qui jouait le plus de possessions par match, ben du coup, ça, pour nous, ça avait du sens de dire que malgré cette statistique de chiffres élevés de points encaissés, nous, on avait confiance sur cet aspect défensif qui nous permettait de jouer notre basket de relance. Okay? Donc, avec les garçons, on va très vite passer sur des situations collectives, mais je vous donne quand même deux, trois informations. Juste avant, Jérôme, il a beaucoup parlé de spacing, d'espace. La clé dans cette défense-là, ce sera toujours d'avoir une forte pression sur la balle et d'avoir tous les autres joueurs qui défendent ce qu'on va dire un joueur et demi. C'est-à-dire qu'en même temps, ils vont défendre leurs joueurs et en même temps, ils vont défendre prioritairement les espaces. Okay? Donc tout ce qu'on va mettre en place après, ce sera dans cette idée-là. L'autre idée stratégique qu'il y a derrière, en mettant une forte pression sur la balle, ça va être aussi d'enlever le ballon des mains du joueur clé. Donc les joueurs, les systèmes de jeu se raccourcissent, on rentre avec des entrées beaucoup plus courtes, l'intention est de moins en moins masquée dans le basket, nos possessions en Pro B, elles sont à 13-14 secondes. Donc en 13-14 secondes, en moyenne, vous montez la balle, vous jouez un play court, vous sortez d'une action, vous jouez le temps fort. Et l'idée de cette défense-là, c'est qu'en mettant une très forte pression sur la balle, en forçant ce joueur-là pour qui l'équipe adverse joue, on le force à jouer avec les autres. Et on va essayer de le forcer à jouer de manière latérale au lieu de le faire jouer sur des situations de profondeur. Okay? Donc ça, c'est les idées générales. Donc les gars, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Okay? Vous allez vous mettre 5 joueurs en attaque. Okay. 5 joueurs en attaque et 5 joueurs en défense. Okay. Les deux autres équipes, vous mettez une ligne, si c'est les blancs qui vont avoir la balle en premier, une ligne de blanc sur la ligne de fond et une ligne de noir juste derrière. Okay. Vous mettez un ballon ici dans l'axe. Okay. Un ballon ici dans l'axe en position de meneur de jeu. Vous mettez deux ailiers et vous mettez deux joueurs dans les short corners. Okay. Dans les short corners, rapprochez-vous un petit peu entre corners. Voilà, ici, ça sera très bien. Et un deuxième joueur ici. Okay? Indépendamment des postes. Okay? L'idée, c'est d'utiliser aussi cette polyvalence de motricité qu'ont les joueurs de plus en plus. Okay? Donc, finalement, de travailler sans trop de position fixe au départ. Tu peux jouer un petit peu même. Là, ouais, étire la défense jusqu'à la ligne. Okay? Donc, on va d'abord partir sur les principes généraux. On va faire une toute petite situation
qu'on va jouer ici. Et on va observer un petit peu ce qu'ils font sur le repli défensif de l'autre côté. Après, vous ferez partir l'autre vague. Vous pouvez prendre un deuxième ballon là, sur la ligne de fond pour être déjà prêt, s'il vous plaît. Okay. Donc, premier principe, pression sur la balle. Okay. C'est pression pour nous. Le repère, c'est au contact du toucher. Okay. Donc, c'est vraiment monter en pression, sans orientation prédéfinie, puisqu'on va avoir les deux joueurs qui défendent les intervalles. Donc, pour nous, l'intervalle, ce n'est pas un intervalle fermé, hein. C'est un intervalle ouvert. Il faut qu'on soit capable, okay, ici, de réduire le couloir de 1 contre 1 du joueur porteur de balle. Okay. Ce qui est valable de ce côté est valable de l'autre côté aussi. Donc, tu vas venir dans l'intervalle. Le repère pour ces joueurs, c'est que leur position est leur aide. Okay. Ça veut dire une chose, c'est qu'à partir du moment où je suis là, je ne vais plus avoir d'autre action vers la balle. Par exemple, si tu joues le 1 contre 1, on ne veut pas que le joueur vienne fermer pour reprendre. Okay. Donc, reprends la balle. Okay. Toi, tu dois contenir ton 1 contre 1, okay. C'est, en gros, sans tenir compte de moi, okay. En le mettant en forte pression. Et moi, je suis dans l'intervalle. À partir du moment où il revient, okay, je vais aller reprendre mon joueur. Okay. Mais au départ, déjà visuellement, et puis ensuite, en termes de prise d'espace, okay, on va être dans ces espaces. Le fait qu'ici, on veuille utiliser ton amplitude et toi aussi pour prendre de la place. Donc, c'est une défense qui va utiliser beaucoup les bras. On va en parler sur le porteur, on va parler dans les aides et on va en parler énormément dans les close-outs, sur les reprises de joueurs. L'utilisation des bras, okay, ça va être un travail un peu spécifique, mais il faudrait quasiment que durant toute la défense, on ait ces attitudes de bras qui soient maintenues. Okay. Donc, cette première ligne défensive, okay, va être capable de tenir ces intervalles. La deuxième ligne défensive, okay, on va considérer que les intervalles à défendre, okay, vas-y, reste en position, okay, l'intervalle à défendre, pour moi, c'est celui-là entre mes deux coéquipiers. Pour l'instant, lui est short corner, et toi de la même manière, okay, pour l'instant. Okay. Avec une difficulté, c'est que si le ballon transfère, boum, toi, tu vas remonter sur lui en pression sur la balle au toucher. Okay, et ne lui donne pas d'orientation. Épouse la ligne à 3 points. Okay. Sur nos repères, on va toujours défendre comme la ligne. Okay. Tout le temps comme la ligne. On épouse cette ligne, nos repères. Si vous vous posez la question de savoir comment orienter, ben, ici, la ligne est parallèle à la touche, ben, on va se mettre en face. Ici, il y a une légère courbe, la même chose. Dans l'axe face à lui, etc. etc. Okay. Et à partir du moment où le ballon rentre dans l'aile, toi, tu vas essayer de défendre de la même manière. Okay, en étant complètement ouvert à la balle. Il faut que tu vois la balle avec tes deux épaules face à la balle, et ta tête face à la balle. Et là, tu vas utiliser non pas le contact visuel, mais le contact physique. Okay, donc c'est ton dos au lieu de tes mains. Parce que tes mains, je veux qu'elles continuent de prendre de la place, okay, le plus de place possible. Et lui, il va falloir que tu le maintiennes dans ton dos. Okay. À partir du moment où la balle se décale, toi, quel intervalle tu défends? Quel est ton intervalle? Non, toujours pas. Okay? Cet intervalle entre les deux joueurs. Okay? Et que tes deux épaules, okay, soient face à la balle. On ne veut pas fermer. Okay? Et si jamais tu devais intervenir sur cette ligne de passe, tu interviendrais avec cette main, dans le sens du cercle. Okay? L'intérêt, c'est d'avoir des joueurs qui, quand ils vont reprendre, vont pouvoir agir. Il y a toute une stratégie de confiance à élaborer, pour que ici, si jamais il y a une situation de backdoor, j'ai suffisamment confiance en toi, pour venir couvrir cette situation. OK? Donc, ici, par contre, petit repère, c'est que si on veut pouvoir avoir cette défense-là, mets tes appuis parallèles. OK? Ouvert. Regarde mes appuis. Ouvert. Décale-toi dans l'intervalle. Si on veut pouvoir avoir cette défense-là, il faut qu'on soit suffisamment haut dans l'intervalle. OK? Pour que on torde le spacing des adversaires. S'il est ici, il va peut-être être contraint avec sa main droite. Là, on sait qu'il peut jaillir sur la passe. Donc lui, on va le forcer à reculer. On va écarter leur ligne. S'ils ne veulent pas améliorer leur spacing, ils vont être en difficulté vers cette défense-là. S'ils ne veulent pas jouer ensemble, se partager la balle, ils vont être en difficulté face à cette défense-là. Okay? Et quand le ballon est là, toi, tu vas rentrer également dans l'intervalle. OK? Dans l'intervalle, et toi, tu vas rentrer également jusque sous le cercle. OK ?
Donc là, on va parler des aides courtes. OK, première ligne, passe devant lui, s'il te plaît. OK, on va parler des aides courtes. Et là, on va parler des aides longues. OK, ici et là. Reprends la balle. Vous jouez la situation. OK, vous jouez la situation. Vous essayez de faire bouger la défense pendant 5-6 passes. Et après, vous pouvez attaquer le cercle. Derrière, comme ça, on introduira plus tard les notions de repli défensif. OK, donc derrière, vous partez et vous arrêtez la situation là-bas. Et les deux autres groupes, vous venez sur le terrain. OK, allez, go. OK, faites la même chose, on reviendra sur vous juste après. Ah bah, joueur, c'est pas grave, prends-le. Mets de la pression sur la balle. OK, stop. OK, c'est bien, layup, reprenez. Alors, à partir du moment où les consignes sont données, il faut qu'on soit d'accord sur un truc. Okay, là, je vous parle prioritairement à vous. Le terrain, il vous appelle. C'est-à-dire que c'est impossible que j'entende leur murmure, je ne vous entende pas sur le terrain. Donc, on va rajouter quelque chose d'essentiel sur cette défense-là. C'est qu'en même temps que la pression, okay, des reprises, etc., il faut de la communication. Okay, donc, sur toutes les communications, okay, on va essayer d'avoir une terminologie claire. Okay, donc, dès que tu vas reprendre sur la balle, on va avoir une info claire, on va annoncer balle. Mais en même temps que vous annoncez, vous devez avoir de la force, là, on doit entendre que vous, et vous devez avoir de l'activité de bras. C'est-à-dire que ce que vous faites tout de suite, là, okay, c'est trop timide. Trop timide dans la voix, trop timide dans l'activité. Okay, et de l'activité sur les appuis. Donc ici, il va falloir descendre, une main sur la balle, là, OK, une main sur la balle, et communiquer, OK. Et derrière, ici, vous allez communiquer. Donc, dès que vous êtes positionné, OK, vous allez annoncer aide, OK. Vous allez annoncer les aides, OK. Vous êtes positionné, vous allez annoncer les aides. Vous êtes positionné, OK. Simplement ces deux communications, balle, aide. Okay. Simplement pour que là, on sache que le ballon est pris en charge et que lui il puisse avoir confiance en vous écoutant pour pouvoir mettre une grosse pression. C'est tout. Okay. Juste ça. Par contre, en même temps que vous communiquez, attitude de bras, pression sur la balle et ici, prendre du volume. Okay. Le repère là-bas, conservez-le. Hein. Allez, go! Voilà. Passe devant lui. Plus proche de lui. Pars. Mettez en place deux autres équipes. Mettez-vous en place. Stop. Comment le joueur il peut partir d'un côté à l'autre alors que mon seul repère que j'ai demandé pour l'instant, c'est une pression sur la balle. Comment il faut combien de secondes? 10 secondes, mais on s'en fiche. Peu importe. Okay, la responsabilité de l'équipe, c'est d'avoir une pression sur la balle. Si vous devez communiquer pour changer de joueur, pour l'instant, c'est uniquement votre problème. Okay, finissez la situation. Là, sur demi-terrain, vous arrêterez après derrière. Balle. Parle plus fort. Commencez. Grandissez-vous. OK, perte de balle. Parti là-bas. Stop. Reprenez, c'est bien sur la deuxième situation, mais sur la première situation. Tu dois sprinter sur lui, au contact de lui. Okay, monte en pression. Tu veux qu'il dribble. Ton idée, c'est tu veux qu'il dribble. Okay, allez, go. Stop. Vous êtes trop loin des joueurs. C'est-à-dire que si vous jouez contre des joueurs qui ont des niveaux de tir suffisants, ben, vous freinez trop tôt. Et que on veut absolument
que ici sur vos reprises, vous veniez jusqu'au contact. C'est-à-dire, on veut le faire dribbler. Okay, on veut ralentir leur situation et nous, on veut se déplacer pour fermer les espaces. Encore. Encore, encore, encore. En sous-suppression. Voilà, encore. Encore. Bien aidé. Très bien. Parti. Encore. Encore une pour la situation générale. Vas-y. Activité, activité. Communiquez. Mettez-vous sur la ligne de fond. Mettez-vous sur la ligne de fond. Ok, jusqu'au rebond. Très bien. Mettez-vous sur la ligne de fond. Sur la ligne de fond. Ok. Ok. Donc maintenant, on a vu la situation générale juste pour la faire comprendre l'idée et pour que nous, ensemble, on comprenne l'idée générale. On va construire maintenant petit à petit quelques situations pour revenir sur nos attentes. Ok. Donc vous allez mettre un premier joueur. Vous pouvez tous aller sur la ligne de fond. Un premier joueur ici en tête de raquette. Ok. Deux joueurs dans les aides. Vous mettre trois joueurs, okay, trois joueurs dans le demi-cercle. Okay, trois joueurs dans le demi-cercle. Ici. Okay. Donc, petite situation de réactivité. Alors, on va démarrer par la situation la plus complexe et la situation la plus difficile, celle qu'on veut éviter en ayant cette défense. Si vous avez remarqué, sur toutes les situations, on est sur des close-out qui sont courts. Okay, pour moi, reprendre d'ici à là, c'est court. De là au corner, c'est des close-out qui sont courts. Okay, la situation qu'on veut éviter, c'est les close-out, les reprises, pardon, les reprises de joueurs longues. Okay, donc la première situation qu'on va mettre en place, c'est une situation où justement, on force les joueurs à être sur des reprises longues, sur des rotations longues. Donc, cette première situation, elle doit nous obliger à sortir le plus fort possible. OK, le plus fort possible. Et vous, par exemple, le ballon sort ici. Vas-y, sort sur lui. Vous devez comprendre comment remplir les intervalles. OK, remplis l'intervalle. Remplis l'intervalle. Vas-y, encore, encore, encore. Tu peux monter. Et confiance, parce que toi, tu as compris que tu défendais le joueur de l'opposé. Et tu vas remplir. OK, ici. OK. Donc, cette situation de mouvement, c'est pour comprendre que sur tous les close-out, okay, très souvent, on voit les choses de manière décomposée. Il y a un joueur qui sprint sur la balle, il reprend le joueur et les autres se replacent. L'idée, c'est de bouger ensemble sur les reprises de joueurs. Ça, c'est très difficile. Okay, très difficile. Qu'on bouge au moins à deux joueurs, c'est déjà difficile. C'est-à-dire que le ballon passe au-dessus, moi, je sais que je reprends le joueur, toi, tu sais que tu reprends l'intervalle. Avoir cette action-là, déjà, c'est complexe. Okay, donc, on essaye d'avoir cette attitude-là et que le joueur de l'opposé, il comprenne que ben, le ballon n'est pas sorti de mon côté, je viens reprendre. Okay, pour l'instant, vous restez en gros sur vos quarts de terrain. Là. Okay, par contre, on joue. C'est-à-dire que ici, dès ta réception de balle, okay, dès ta réception de balle, tu peux choisir de tirer, choisir de dribbler, choisir de repasser la balle à un de tes coéquipiers. Okay, on joue réellement la situation. La situation, elle est obligatoirement live. Ok. Stop. 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 Pourquoi tu ne parles toujours pas? Encore. Ok. Ok. Une des premières limites là, c'est d'activer la communication. Il faut absolument que quand ils soient à l'entraînement, les joueurs ils comprennent la différence entre le moment où le coach parle, les assistants parlent, peu importe, et le moment où la balle est lancée, où là le terrain leur appartient. Je veux qu'il y ait du bruit dans la salle. Ok. Faites du bruit, on s'en fiche des gens, okay, c'est pour vous. Il faut que vous vous habituiez à communiquer pendant que vous jouez. Sinon, en situation de stress, ça sera très difficile de communiquer. Okay. Allez. Encore, on reprend. Les mêmes en défense. Les mêmes en défense. Encore, encore. Allez. Très bien, très bien. On parlera des collaborations plus tard. Changez. Encore. Allez, trois autres.
3 en attaque, 3 en défense, rapidement. Un, deux, trois. Allez. Encore. Trois qui sont prêts derrière. Vous avez un deux, vous avez plus votre deuxième ballon là, les gars. Allez, trois autres, rapide. OK. Donc, on va rendre la situation un petit peu plus. Deuxième situation, OK. Première situation. Pour se mettre en route, close-out quasi quotidien. Premier joueur en haut. Vas-y, sors un petit peu. Voilà, sur la ligne blanche, là. Deuxième joueur sur la ligne rouge, on va dire, là. Et un troisième joueur sous le cercle. OK ? Donc, deuxième situation qu'on va proposer. OK ? Toujours une situation de réactivité pour les défenseurs. Toujours une situation complexe avec des close-out longs. OK ? Avec la difficulté de tenir ces situations. Et maintenant, on va vous donner un numéro, OK ? 1, 2, 3. À l'annonce du numéro, le numéro fait le close-out, OK ? Par exemple, 1, c'est toi qui vas. Le deuxième, il faut reprendre. Troisième, il faut reprendre sa position, OK ? De la même manière, OK ? De la même manière, on dit 3, c'est le joueur 3 qui va aller sur la balle, OK ? Toi derrière, c'est toi qui décides, OK ? Tu as pris l'info, tu sais que c'est toi qui dois y aller. Okay, tu vas annoncer balle, okay, et les deux joueurs derrière, à partir du moment où lui communique, on défend un intervalle court et un intervalle long. Okay, c'est bon pour vous? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Oui? Allez, deux! Encore. Forcez-vous à communiquer tout le temps. Okay, essayez de communiquer tout le temps. Et soyez prêts à repartir derrière. Allez, go! Encore. Trois. Stop! Quel est le premier principe pour que tu puisses intervenir? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir intervenir? Pour pouvoir prendre la décision d'intervenir, qu'est-ce qu'il faut? Minimum. T'as pas d'idée? Reste comme tu es. Ne bouge pas. Non, bouge pas. Comme tu es là, face à lui là-bas. Vas-y, va sur la balle. Pour pouvoir intervenir, quelle est la première chose qu'il faut que tu puisses? Ton joueur? C'est lui qui est intéressant là? Il va marquer des points là? Qui est-ce qui peut marquer? Lui. Notre priorité, elle est la balle. Si on veut que vous soyez ouvert au ballon, c'est que pour que vous puissiez prendre des infos pour pouvoir décider. Prendre des infos pour pouvoir anticiper. OK ? Notre priorité n'est pas tournée vers notre joueur. Notre priorité, OK, est d'abord en priorité à la balle. OK ? On réagit à la balle. Il faut que la balle soit sous pression pour qu'on puisse réagir. Mais comme elle est sous pression, ben, il faut qu'on soit capable de s'entraider, voire de s'aider changer, comme dans une situation d'urgence, OK, qui vient de se passer. OK ? Allez. 1. OK. On va faire la même situation. OK. La même situation, sauf que vous allez partir tout terrain derrière. Donc, on enchaîne les mêmes règles sur les deux situations. La situation demi-terrain, par exemple, le ballon sort. Il faut un troisième blanc ici, puisque vous avez les mêmes maillots. Et le noir ici, en défense. OK. Ici, par exemple, 1. Lui sort, etc. Vous sortez, OK, intervalle. Prise de tir, prends un tir. Ouais. Ici, situation de rebond. Si on garde les mêmes règles, quelle est la première règle par rapport au ballon? Pression sur la balle, OK. Sauf que tu défends un autre espace, donc il va falloir que tu gères un petit peu les distances, mais il faut de la pression sur la balle, OK. Les deux autres joueurs, si on garde les mêmes règles, qu'est-ce qu'on défend? Première ligne, deuxième ligne. Donc, repli défensif, OK? Premier joueur, deuxième joueur. Couvrir, par exemple, lui part dans le dos, dans le backdoor, par exemple. Communiquer parce que tu le prends en charge. Toi, replier, OK? Parce que tu le prends en charge. Et là, vous allez replier, OK? D'accord? On garde ces règles simples. 2. Stop. C'est toi à 2.
1, 2, 3. Pour l'instant, on n'a pas changé l'ordre des numéros. Allez. 2. Parti, parti, parti. Stop, stop, stop. Toutes les situations qu'on joue live, on les joue avec les règles du basket. Okay? Sauf s'il y a une règle contraire qui dit pas de remise en jeu. Okay? Mais on les joue avec les règles du basket, c'est-à-dire que là, ça va faciliter la défense. Ils ont marqué, ben, ils vont avoir plus de facilité à mettre de la pression sur la balle. Ils peuvent même être sur tout le terrain. On se remet en place dès le départ. OK ? 3. Stop ! Stop ! C'est bien, reviens au milieu. Reviens au milieu. C'est bien de l'accompagner, OK ? C'est bien, tu es avec lui. Fais attention s'il accélère de pouvoir réagir. Ici, reprends la balle. Prends la balle. Remets-toi comme tu étais. OK. Attends un peu. Tu étais au moment où je dis stop. Vas-y, reviens, 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 reviens. Stop. OK. Mets-toi en bas là où tu étais. Là. OK. On va stopper à peu près la situation ici. OK. Si on garde nos mêmes repères, qui est l'aide courte? Lui. OK. Même s'il défend sur un joueur à l'opposé, il est capable. OK, parce que lui, je ne sais pas de quel côté va déborder. Qui est l'aide longue? Toi. OK. Toujours au-dessus. On essaye d'être toujours au-dessus du joueur. OK. Pas être à plat. Parce que si on est à plat, et notamment sur la ligne, on va être à la merci de situations où lui tourne à peine la tête, et ce qu'on appelle un dunking, OK, où le joueur il va flasher et le mettre dans le... Donc, on préfère forcer la situation de lob, de backdoor, dans nos situations avancées, plutôt que d'accepter les situations de curl et les situations de flash. Okay? On reviendra après là-dessus. Okay? On se remet en place. Les mêmes. Les mêmes. Allez. Trois. OK. Vous venez avec 4 joueurs. 4 joueurs, 4 joueurs en défense. 1, 2, 3, 4. En carré. OK. Ballon. OK. 5 joueurs en attaque. Un joueur dans l'axe, 2 joueurs dans les ailes. Et là-bas, vous pouvez jouer entre le poste bas et le corner. Il n'y a pas de problème. OK. Il me faut un 5e joueur noir. Un des deux, peu importe. Choisis. Allez. Mets-toi au milieu, dans le rond central, s'il te plaît. OK. Donc ici, on va toujours être sur une situation un peu délicate pour la défense. OK. Et en même temps, on va forcer une situation sur le repli, après, derrière, s'organiser sur le repli. Donc, ça, c'est une situation qu'on fait très régulièrement. OK. Très régulièrement. Un joueur sur la balle. OK. Un joueur sur la balle. Boom. Un joueur dans l'intervalle, un joueur dans l'intervalle, vous n'êtes que 4, et un joueur prêt à réagir. Okay? Donc ici, à partir du moment où le ballon vit, vas-y, décide de passer la balle, okay, on doit bouger, on est en sous-nombre défensif, et on doit être dans le close-out, et à chaque fois, on travaille là-dessus, avec un joueur qui doit être en pression sur la balle, la première ligne défensive passe devant ton appui, mets-le dans ton dos, ouvre tes appuis. Serre-toi pas des mains, serre-toi de ton dos. OK ? Contact avec le dos. Et ici, tu défends l'intervalle, tu es entre les deux. OK ? Donc, quoi qu'il arrive, que le ballon aille corner ou qu'il aille de l'autre côté, le close-out long, là, c'est toi qui vas le prendre. Par exemple, swing la balle. Boom. Tu vas reprendre. Toi, tu reprends l'intervalle. OK ? Tu vas reprendre. Tu vas reprendre. Très bien. Imaginons qu'on swing à nouveau la balle. OK ? Même chose. C'est toi qui vas sur la balle. On reprend, on reprend. OK ? Vous jouez là-dessus, 5 contre 4. OK ? On les fait courir après la balle, on va dire 10 passes. Au bout de 10 passes, on joue la situation où les noirs, si vous récupérez le ballon, vous allez jouer une situation de contre-attaque avec un avant-centre là-bas qui cherche à punir le repli défensif des blancs. Par contre, là aussi, on met la défense dans une situation difficile, comme tout à l'heure avec le close-out long. On va les mettre dans une situation difficile en sous-nombre défensif pour jouer le rebond. OK ? Donc, tous les 5,
Avant de jouer le repli, vous allez mettre une pression sur le rebond. Si vous pouvez avoir une deuxième chance, vous prenez le rebond, vous marquez. OK? Allez, go! Balle! Reprends! Plus fort! Encore. C'est la même situation. Encore. Encore. On revient. Alors, quand on vous parlait de latitude de bras, maintenant vous allez comprendre une autre petite règle. Reprenez. Autre chose qu'on cherche à casser, c'est toutes les situations de passe qu'on va appeler en ligne droite. Toutes ces situations-là en ligne droite, on veut les rompre, on veut les casser, on veut les tordre. C'est-à-dire que si lui, il est sur cette ligne-là, on doit être capable dans l'intervalle, là, tu vois, si lui, il peut passer la balle en ligne droite, c'est que tu es trop bas dans l'intervalle. OK ? Si par contre lui se démarque vers l'extérieur, on n'a pas besoin de se livrer. Okay, on tolère les passes extérieures à partir du moment où ce n'est pas des passes en ligne droite. De la même manière, si le ballon ici, même au-dessus de la tête du joueur, doit être skippé, okay, si toi, tu es en forte pression ici sur moi, okay, cette passe-là, elle doit mettre du temps à arriver. C'est comme ça que tu vas aider tes partenaires à reprendre les joueurs. En utilisant ton volume de bras. Si vous défendez sans vos bras, okay, ça va être vraiment problématique. Parce que les espaces qu'on couvre, okay, on veut les rendre impénétrables. On veut construire un mur ici où c'est très difficile. Où on force les joueurs à contourner et à agrandir le spacing. S'ils n'agrandissent pas, ils ne doivent pas pouvoir vous battre. Même à 5 contre 4 si on fait les efforts. Okay. Allez, go! Stop. Refais ta course là, comment tu l'as repris là le joueur? Fais tes petits sauts là. Tu penses que. Ouais, des pas chassés, tu penses que c'est le moyen le plus efficace pour reprendre là-bas? Il n'y a qu'un seul moyen défensif là, c'est sprinter. Si tu sprintes sur lui, hyper fort, et que lui là, le shooter de l'équipe, il pose la balle au sol, moi je suis d'accord avec toi. Et si tu arrives à lui faire poser la balle au sol, okay, et faire un slide défensif, l'obliger à pivoter, etc., un deuxième changement de main ou peu importe, là, tu deviens un bon défenseur, un très bon défenseur. Mais si lui, tu retardes son tir, on peut toujours être dans une défense collective. Vas-y, fais la passe. Durant le trajet de la passe, on est dans une défense individuelle. Si toi, tu arrives à le forcer à faire autre chose, on repasse dans une défense collective. OK ? Allez. Allez, sprint! Ok, bien parlé. Encore. Allez, jouez le cercle. Stop! Allez, continue de prendre des informations. On va réduire le nombre de passes. Au bout de 3 passes, vous pouvez jouer. Ok? Stop. OK. Comment les joueurs ils passent le ballon de là à là? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que lui, il peut toujours jouer tête levée. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Hein. Quand les arbitres ils vous disent sans les mains, ce n'est pas vrai. Hein. OK. Reprenez la balle là. Ce n'est pas vrai. Hein. OK. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas défendre. Si vous jouez contre un bon joueur sans les mains, vous ne pouvez pas le défendre. Jamais. Okay. Ni sur les pick and roll, ni sur les 1 contre 1, vous ne pouvez pas le défendre. Juste en faisant des slides sur le côté, là, on ne peut pas défendre quelqu'un. Okay. Il faut mettre de la pression sur la balle. Okay. Donc si lui, il est où? Si là, les meneurs de jeu, ils sont comme ça, tête levée, et ils attendent les coupes, les appuis face au cercle, ça ne va pas nous intéresser.
On veut maintenant essayer d'avoir ce repère dans la tête que chaque fois que vous jouez contre quelqu'un, il se met en protection. À partir du moment où ses hanches, vous connaissez tous Shakira, non? Ok? C'est sa chanson préférée, c'est quoi? La plus connue. Hein? Hips don't lie. Ok? Les hanches ne mentent pas. Si mes hanches, elles vont là-bas, ok? Il y a peu de chances que je puisse aller dans cette direction. Ok? Donc le joueur, il va devoir se remettre face au cercle pour attaquer. Donc le repère que vous allez avoir en tête, c'est que constamment, je veux qu'il se mette en protection. Donc chassez, mettez-le en difficulté. Le joueur, il est là. S'il se met comme ça, je vais faciliter son travail. Parce que comme ça, tu vas commencer à tourner ta tête et voir qu'il y a des mecs qui jouent dans ton dos. Ok? Allez. Plus sur lui. Sprint. Ball. Encore. Allez, touche ça. Parti. Encore. Gagne la balle. Ok. Parti ici. Encore. Allez. 5 contre 4 sur le départ, plus un joueur dans le rond central. Ok? Allez. Stop. C'est trop timide. Ok? Vas-y, sors sur lui, fort. Encore. Bien parlé. Encore. Stop. Pourquoi tu ne le respectes pas? Pour l'instant, on ne fait pas de choix stratégique, shooter, non-shooter. OK? On est pression sur la balle. Donc, si tu ne montes pas, c'est un problème. Qu'est-ce que tu as dit quand tu as pris en charge le meneur de jeu? Le joueur qui est là, il t'a entendu. Le problème, c'est les mecs qui sont derrière, ils ne t'ont pas entendu. OK? Reprenez. Revenez ici. OK? On va essayer d'avancer. OK? On va remettre la situation à 5 contre 5. Et vous allez mettre un joueur sur le poste bas. OK? Voilà, un seul des deux. Peu importe, ça peut même être un extérieur, ce n'est pas un problème. OK? Passe la balle. OK? Ici. Donc, première chose, par notre positionnement, on va essayer, lui, de le faire remonter pour casser ses angles. Parce que s'il reçoit la balle, vas-y, reprends la balle, mets-toi à 45. S'il reçoit la balle à 45 direct, lui ensuite, il va mettre la balle au-dessus de sa tête, il va avoir tout son temps pour s'organiser. Non, ici, si je suis là, lui, il doit se démarquer, vas-y, reprends. Ce qu'on veut, c'est que lui, il se démarque ici et il vienne là. Et là, après, je vais le mettre sous pression. Okay? La volonté, c'est de le sortir des alignements. Ok? Pour l'instant, il n'est pas en déplacement. On verra une règle différente s'il est en train de se déplacer. Okay? Donc, sur ce démarquage, à partir du moment où il vient au contact, okay, il doit venir te chercher okay, alors que tu es dans l'intervalle. Ouvre tes épaules. Voilà. Okay? Réussis à passer la balle là-bas, mets de la pression et là, okay, ta volonté, c'est de passer devant lui okay, en utilisant une technique de crawl. Okay? Donc, lui, il veut prendre sa position et moi, je vais passer. Et là, je veux l'enfoncer sur la ligne de fond. OK? D'accord? Et regardez mes appuis. Mes appuis sont parallèles à la ligne de fond. Pourquoi? Si je suis en train de passer devant, orienté au passeur, je facilite, passe la balle par le haut. Ici, je facilite toutes les situations de jeu en triangle. Du coup, lui, il va devoir suraider. Le corner là-bas, il va être complètement libre. À partir du moment où je réussis à le mettre dans mon dos, okay, on va chercher deux choses. On va chercher à ce que le jeu en triangle soit plus difficile, puisque quand le ballon va venir, okay, je vais pouvoir continuer de défendre devant lui. Et on va essayer de sortir le poste 5, le sortir de sa zone. Ici, c'est sa zone de confort. Si lui, il se démarque par là, passe. Dans le short corner sur le tir, ok, je vais prendre ce risque-là. Par contre, je ne veux pas qu'il reçoive cette balle-là facilement. Okay? Priorité.
Pour l'instant, on essaye là-dessus. Toi, tu décroches et tu bouges en fonction. Allez. Passe devant lui, passe devant lui, passe devant lui. Reviens, 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 même chose. Pression sur la balle. Vas-y, vas-y. Oui, pression sur la balle, défends. Hop. Les gars, ça fait perte de balle, meneur de jeu, perte de balle, l'ailier là. On ne peut pas jouer au basket sinon. Allez, démarque-toi. Voilà, passe devant lui, c'est très bien, c'est très bien. Ouvert à la balle, ouvert à la balle. Repasse ton appui au-dessus de lui, au-dessus de lui. Jamais en dessous. OK, les bras, les bras, les bras. Très bien. C'est bien le contact visuel sur ton repli. C'est grâce à ça que tu mets la balle dehors. Encore, reprenez. Cinq autres. Ici. Allez, défense, pression, hop. Stop, 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 stop. Toutes les situations démarrent là. Tu es en surpression sur lui. Je veux qu'il dribble. Je veux qu'il dribble. Voilà. Encore. 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 Pression sur la balle. Stop. Alors. Idée qu'on aurait peut-être pu appuyer un peu avant. Passe. Je suis bien ici. OK. Mais tes mains sont ici. Du coup, sors là-bas. Si je cours ici, et que je commence à lever les bras au moment où je ralentis. Je suis une super aide. Je suis un collaborateur du shooter. Parce que au moment où lui il ralentit pour lever le bras, il va juste m'aider à faire une seule chose. Lever ma trajectoire. Ce qui va améliorer mon tir. Okay? Donc ce qu'on veut sur ces situations-là, c'est que quand vous soyez dans les aides, vous soyez là, et que là, quand je cours, okay, je veux le forcer okay, à mettre la balle au sol. Donc prenez du volume, okay, prenez plus de volume que ça. Qu'il comprenne que son option à lui, ce n'est pas le tir, c'est d'attaquer en dribble. Là où on va pouvoir interagir en équipe. Okay, allez. Sur la balle, sur la balle. Encore, encore, reste devant lui, reste devant lui. Super aide, super aide. Encore. Encore. Parti, parti. Hop. Stop. 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 Qui prend en charge la balle? Il n'y est pas, lui. Hein. Reprenez du départ. Reprenez du départ. Il faut que tout le temps cette règle soit respectée. La balle est toujours sur pression, constamment, 40 minutes. Il n'y a pas de situation où la balle n'est pas sous pression. Allez. En place. Vous avez votre deuxième ballon? OK. OK. On va faire travailler un petit peu plus la défense maintenant. OK. On va s'organiser pour leur poser des petits problèmes. Mets-toi sur le post-up. OK. Vas-y. Toujours dans cette situation de balle intérieure, au moment où lui, il tourne la tête, là, tu vas utiliser ça. Là. OK. Lui, il cherche à jouer dans le jeu intérieur. Qui joue la balle, qui joue la passe, ou qu'il ait du mal à faire la passe, tu vas jouer dans le jeu sans ballon. Okay, il y a un espace là, surtout si toi tu décroches pas, le ballon est là-bas. Tu es première ligne ou deuxième ligne? Deuxième? Tu es le premier à intervenir s'il se fait battre ton coéquipier? Oui, donc première ligne. Okay, si tu es le premier à pouvoir intervenir, première ligne. Vas-y, mets-toi sous cercle. Okay. Ici, là, tu vas venir, OK, essayer de les mobiliser. Parce que du coup, lui, tu vas le faire travailler. Il va falloir qu'il conteste ton déplacement. Et puis, tu vas pouvoir également servir de relais, OK, peut-être pour jouer avec lui dans le jeu en triangle, OK. Et toi, tu bouges, OK, respecter le spacing en attaque. Okay. Mais, et toi, ouvre une ligne de passe dans le dos du jeu. OK, essaye de les mettre en difficulté. Allez. Stop, 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 stop. Tu vas commencer à combattre quand? Encore.
C'est un travail de lutte. Tu veux... Non. C'est trop facile, ça. D'abord, tu es ouvert à la balle, au-dessus de ses appuis. Parce que sinon, tu n'arriveras jamais à repasser devant. Okay, au-dessus de ses appuis, et là encore, tu n'as pas besoin de contact visuel. Mais par contre, tu peux le toucher ici. Okay, tu peux le toucher ici. Okay, et quand le ballon va se déplacer, continuez de passer devant. D'accord. Prends du volume. Tes bras. Voilà. Encore. Tes bras au-dessus, à toi aussi. Encore. Reste devant lui. Encore. Décroche. Encore. Reprends. Pression sur la balle. Balle. Stop. Reprends la balle. Alors, je pense que vous commencez à comprendre. Qu'est-ce qu'on protège en priorité dans cette défense? Le drive, pour aller où? Pour aller au cercle. Donc, on protège prioritairement les actions directes. Ce qui se passe en dribble, direct vers le cercle, et ce qui se passe en passe, soit depuis la tête de raquette ou le poste haut, ou ce qui se passe dans les ailes. Tout ce qui se passe en direct, on veut l'interdire. On veut forcer des choses indirectes. On veut jouer là, obligé à passer la balle. Okay? Donc ça, c'est notre idée. Donc si quelqu'un vient dans la raquette, comme il vient de venir, premier, okay, là, toi, on a dit, ta position, c'est ton aide. Donc t'imagines les bras que tu as là? Déjà, lui, tu dois réduire son espace, mais il faut que tu sois fléchi, sinon tu ne pourras jamais reprendre. Vas-y, écarte-toi, fléchis-toi, écarte tes appuis, sois confortable. Okay? Ici. Par contre, s'il franchit ce premier rideau, okay, s'il franchit ce premier rideau, il va falloir qu'on intervienne, il va falloir qu'on intervienne sur la balle. Okay? Alors, nous, dans notre défense, on fait prioritairement intervenir le 5, pour que le 5 soit toujours le joueur qui aide directement, que ce soit sur le drive ou que ce soit sur le post-up si jamais il y a un mismatch. Okay? Prioritairement le 5. Ce qui fait que le deuxième intérieur, lui, va être celui qui va basculer sur les rotations. Okay? Mais en tout cas, okay, gardez cette idée simple que si lui il va vers le cercle, on veut lui interdire le lay-up. Okay? Et on veut lui interdire, vas-y, par exemple, si tu viens, okay, on va rester sur une organisation, on vient de l'opposer. Vas-y, réagis. Je sais que tu sais. Reprends la balle. On veut interdire. Reste en pression sur lui pour l'instant. Reste en pression avec tes bras. Comme ça, tu vas ralentir. Non, vers le haut. Là. Comme ça, tu vas ralentir s'il y a une passe là-bas. Toi, non, tes épaules, pour moi, elles ne sont pas bien tournées. Okay. Rentre vers lui pour lui passer devant. Voilà. Donc, dans ces situations, on interdit les deux choses qu'on souhaite interdire. C'est-à-dire le lay-up et la petite passe décisive pour le smash ou le lay-up facile ici. OK? Tout ce qui se passe dans la raquette. Okay? Et lui, il est sous pression, on l'envoie dans la nasse, okay? Ici. Et toi, tu es le joueur du close-out. C'est-à-dire que là, c'est toi qui as un problème. Tu dois défendre deux joueurs pendant la situation. Okay? Si le ballon ressort, tu ressors fort et confiance, quelqu'un va venir faire la rotation pour reprendre. Okay? Allez. Encore, pression sur la balle. OK, stop, reprenez. Toutes ces réceptions tirs là, il faut que vous montiez plus fort. OK? Les tirs à 1 contre 0, ça, pour moi. Le mec, il reçoit, il a même pas eu besoin de bouger ses appuis pour prendre son tir. Encore. Encore. Vas-y, monte sur lui. Voilà, sois sous pression, fais le dribbler. Viens l'aider. Encore. Allez, cette petite passe, il faut qu'on soit présent. Pression sur la balle. OK, bien parlé. Balle. OK, très bien. Encore. Une main. OK. Très bien. Encore. Très bien. OK. Allez, un peu plus de dureté dans les aides pour que le joueur ne puisse pas franchir. OK. Donc, ce statut-là, d'ouverture à la balle, on va avoir une règle dans laquelle on passe d'ouverture à fermeture. Cette règle, c'est, vas-y, passe la balle. Par exemple, on va dire tu dribbles, okay, et il te met sous pression, t'arrêtes ton dribble. À partir du moment où il arrête son dribble, ça, c'est un repère pour nous, un repère collectif. Toi, tu accentues la pression, tu n'es plus en contact
touché la balle, tu es en contact corps. Okay? Et là, tes bras, ils vont être sur les lignes de passe, à mettre une forte pression sur les lignes de passe. Vas-y. Et toi, tu vas fermer complètement retour de passe. Toi, tu vas fermer complètement retour de passe. Et vous, vous allez décrocher parce qu'on prend un gros risque côté balle sur les lignes de passe. Okay? Pour nous, le ballon, il est mort. Donc, il faut monter en pression. Il faut finir cette défense-là. Okay? Ça, c'est la règle d'exception dans laquelle on passe de l'ouverture à la fermeture. Okay? Donc, on va faire un petit jeu là-dessus. Okay? Petit jeu là-dessus. Tu vas passer la balle. Okay? Passer la balle une fois, deux fois. Vous jouez un petit peu avec la balle. Et il y a quelqu'un qui va attaquer un intervalle. Okay? Attaquer un intervalle. Et quand vous allez attaquer l'intervalle, vous allez stopper votre dribble. Okay? Et là, il faut changer de statut le plus vite possible. C'est-à-dire que toi, si tu ne mets pas de pression, il va libérer la balle tout de suite, c'est fini. Okay? Donc là, on doit pouvoir rejaillir. Okay? Allez. Encore, encore, la balle. Ici, reprends. Encore, balle. Allez, saute, change de statut. Tu vois, je pense que si tu arrives à voir cette passe-là et me la faire main gauche dans le timing, tu peux réussir à tourner ta tête pour voir les mecs qui partent dans ton dos. J'en suis persuadé. Okay? C'est qu'une question de volonté. Encore. Même chose. Oui, c'est très bien, c'est bien en bas. Reste devant lui. Continue à l'enfoncer avec ton dos. Encore, encore, pression. Allez, change de statut. Venez aider. Stop. Encore. Oh. Balle là-bas. Très bien. Bien commentaire. Offensivement, comment tu as attaqué close out, c'est très bien. Okay? Par contre, ce que tu m'as fait là pour le pousser, c'est bien. Tu es passé devant lui deux fois, etc. Tu peux même l'enfoncer encore un peu plus à la ligne de fond. Par contre, quand il attaque et que je décide d'intervenir, vous regardez les matchs de hand parfois ? Vous n'allez jamais à Chambéry ? Okay? Le gardien de but, s'il reste dans ses cages, là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se faire allumer. Quand il avance sur l'attaquant, qu'est-ce qu'il fait ? Il réduit l'espace et il restreint les angles de tir. C'est pareil pour la passe. Si moi, j'avance sur le joueur, okay, lui, il va falloir qu'il freine. Déjà, techniquement, je lui pose peut-être un problème. Okay, vu comme il est lancé, premier problème. Okay, j'ouvre, impact poitrine et je prends du volume. Et toi, sprint, ta priorité, c'est de couper la petite passe décisive. Okay, on protège notre cercle en priorité. Okay, encore. Allez. D'accord, pression sur la balle. Reprends-le. Allez. OK. Pour faire évoluer un petit peu la situation, on va introduire un petit peu d'aide au démarquage. OK. Donc, ces aides au démarquage, on va d'abord les introduire sur des écrans non porteurs. Et on va voir qu'on introduit une nouvelle règle en faisant ça. Donc vous allez vous mettre en situation de diamant. Donc un joueur qui est sous le cercle, un joueur extérieur, et deux joueurs qu'on va considérer des joueurs intérieurs hein, pour vous. Donc un joueur à 45 ici, okay, et la même chose de l'autre côté. Recule un petit peu de la raquette là pour avoir de l'espace, pour pouvoir tourner autour, etc. Recule encore un peu. Okay. Ici. Okay. Recule un petit peu. Okay. Donc on va introduire cette petite situation, okay, avec, pour avoir deux temps consécutifs à le défendre, tu vas choisir un côté. Okay. Toi, essaye de faire en sorte que ce soit toi qui choisisse. Okay. Lutter là-dessus. Passe avec lui. Okay. Passe avec lui. Okay. Et sur toutes ces situations défensives, vous voyez, on est sur du chassé. Donc, dès qu'il y a des situations d'écran, on a la volonté de couper la passe
Et à partir du moment où lui s'arrête, okay, il arrête sa course, par exemple, là il s'arrête, je vais revenir défendre mes intervalles. Okay. Donc ce n'est pas parce qu'on a une défense ouverte qu'on supprime toute la lutte et toute la pression physique sur les démarquages. Okay. C'est important qu'on reste dans ce combat permanent. Donc ici, premier joueur, donc suivre. Si tu veux décider, qu'est-ce que tu vas faire dès le départ? Tu préfères qu'il joue avec lui ou tu préfères qu'il joue avec lui? Tu préfères qu'il joue avec lui sur les écrans? Ok. Donc choisis, ok, pousse-le là-bas. Tu vas avoir la volonté de passer avec lui. Donc là, techniquement, on va travailler là-dessus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la hanche de mon joueur, surtout si je suis contre un joueur plus grand que moi, parce que ton centre de gravité va te permettre de le pousser. Donc on va travailler sur ce travail-là, c'est-à-dire que quand ici je vais arriver au niveau de l'écran, mon travail, il va être de pousser sur une jambe pour me créer un espace, pour ensuite passer ici, avec mon appui. Et là, ok, on va travailler pour le mettre sous pression et ensuite revenir dans un deuxième temps dans mon intervalle. Pour ça, j'ai besoin de mon coéquipier. Mon coéquipier, lui, je vais le faire défendre à hauteur d'écran. Ok ? À hauteur d'écran et toujours avec nos principes. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il soit comme ça. Je veux qu'il soit à hauteur d'écran, ouvert à la balle. Et si jamais lui, il actionne un curl, il va pouvoir aider, il va pouvoir changer, il va pouvoir contester le déplacement. Ok ? Donc, vas-y, passe avec lui. Monte, monte, monte. Mais hop ! Pour qu'on puisse être dans cette attitude, il va falloir qu'on collabore. À partir du moment où là, lui, il a choisi un côté, okay, là, il faut donner des infos, pression, tu pousses la balle de ce côté-là, et là, il va falloir venir s'entraider. Donc toi, voilà, par exemple, si lui, il plonge vers le cercle, très bien en attaque, sur une passe lobée, si quelqu'un doit intervenir, c'est toi. On s'entraide, tu les entraides, ok ? Et toi, tu es prêt à réagir si jamais il y a une passe-passe ou une autre situation, ok ? Allez, stop, on reprend. C'est toi qui décides quand de quel côté il va et tu as autant de retard que ça. Regarde tes appuis au départ. Si tu es simplement en train de le contester ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui décide du moment où la course commence. Okay? Donc, tu as combien d'appuis de retard? Tu as 2 appuis de retard. Okay? Donc, si tu te mets en contestation ici et que tu viens... Au maximum, tu vas avoir un demi-appui. Okay, donc, mets-le sous pression. Tu décides, okay, de le pousser et de l'envoyer de l'autre côté. Okay, allez, il faut que tu passes avec lui. Ta volonté, c'est de passer avec lui. Allez. Hop, voilà, pression sur la balle. Reprenez, donnez-leur un autre ballon. Ton ballon dans les mains, donne-leur. Ici. L'autre ailier. Encore. L'autre paire. Décide. Allez, passe avec lui. Stop. Qu'est-ce que tu as fait? Changer. Tu l'as dit? Non. Reprenez. Je te dis pas que c'est un bon choix de changer. Hein. Je te dis juste que si tu fais quelque chose, annonce-le. Stop. Tu vois plus la balle. Ça, c'est un problème. Okay? Garde un œil sur la balle. Conteste tout en ayant ton contact. Tu n'as pas besoin d'avoir les deux. Tu as un contact physique. Le contact visuel, tu peux le maintenir sur la balle. Ok? Allez. Encore. En place. Vite. Encore. Encore ici. Allez. Une main. Ok. Pression sur la balle. Bien aidé. Bien. Très bien. Bonne activité. Inversé, attaque-défense. Ok. Au lieu d'être sur une situation de diamant, okay, les deux joueurs qui étaient en position d'écran, les deux joueurs intérieurs, là, remontez dans ce qu'on appelle les elbows, là, les coins de raquette. Okay. Mettez un joueur dans le corner. Là, vas-y, coin de raquette. Mettez le deuxième joueur dans le corner. Okay. On va voir que la même situation okay, vient ici, et dès qu'il démarre d'un côté, vous allez mettre une cascade d'écran à votre coéquipier, là, 2 écrans. Ok, c'est juste pour montrer. Tu cours vers lui, ok. Tu vas lui mettre un écran et toi un deuxième écran, ok. Et on va être dans le même repère. Tu veux passer avec lui, ouais. Écartez-vous, sinon on va pas pouvoir jouer. Prends la balle
Essaye de masquer que tu veux jouer avec lui. Donc, va jouer vers l'opposé pour laisser de la place. OK ? Ici, viens poser premier écran. Descends. Fais l'effort. Allez, fais l'effort. Viens. Stop. Ouvre. Voilà. OK ? Ici, c'est bien. OK ? C'est pas grave. Ici, sur les situations. Tu veux passer avec lui ? Toi, attends avant d'ouvrir. C'est bien en attaque, mais attends avant d'ouvrir. Garde nos repères. Ouvert à la balle. À hauteur d'écran. Et où est le ballon? Est-ce que tu es la première ligne défensive ou la deuxième? Première. Donc saute à la balle dans l'intervalle. Vas-y, saute à la balle dans l'intervalle. Là, OK? Ouvert. Et confiance. Si lui, il plonge dans le backdoor, tu as un joueur qui peut intervenir là parce qu'il voit tout ce qui se passe. OK? Il voit tout ce qui se passe. OK? Par contre, à partir du moment où lui, il a repris, OK? Reprends bien les contacts visuels. OK? Tout le temps. On se remet en place et... Pour l'instant, on fait juste une seule situation hein, pour qu'on puisse avancer. Allez, j'ai vu. Non, 15. Stop. Déjà, c'est très bien parce qu'on a, dû attendre une heure pour qu'on voit cette situation-là. Défensive. Reprenez. Donc, vous avez été concentré jusqu'à maintenant, mais en fin de match, il se passe ce que tu viens de faire. Là. C'est-à-dire que là, tu es bien dans ton close-out, mais sauf que tu sautes. Et à partir du moment où tu sautes, okay, là, du coup, lui, il va devenir une cible. Hein, et plus lui, il est athlétique, plus lui, il va ramasser sur sa tête. Hein. Donc, nous, on demande de ne pas sauter sur les close-out, de sortir fort jusqu'au joueur, okay, pour pouvoir repartir au contact, même si... Peut-être je vais l'envoyer dans le joueur et moi à partir dans les rotations, mais au moins, je peux faire la situation. Close out, reprise. OK ? Reprenez. Pas mal. Encore ? Inverser attaque, défense. OK ? On fait une autre petite situation. Vas-y. On démarre de la même manière. Mais dès qu'il va remonter, OK, pour voir un autre type d'écran, pour démarquer cette fois, non pas un joueur extérieur, mais un joueur intérieur, tu vas sprinter pour aller poser un écran sur le joueur du fond. Vas-y, remonte. OK, là, ça remonte. Et tu vas aller poser un écran pour essayer de libérer ton coéquipier. OK. Donc, sur cette situation-là, on va essayer de maintenir les mêmes règles. OK ? Donc, mettez-vous sur la cascade d'écran, là. Hop, stop. Je pense qu'il y a un petit problème. Regardez qui a la balle. OK ? Joueur blanc. Donc, tu es en défense. OK ? Décroche. Non, tu es trop haut. Regarde, ton joueur, c'est le premier ou c'est le deuxième ? C'est le deuxième. Donc, tu fais l'aide longue sous le cercle. Mais tes appuis prêts à intervenir. Parce que si lui perd son 1 contre 1, là, c'est toi qui vas intervenir. OK ? Mets de la pression sur la balle. OK ? Ouvert à la balle, capable de réagir. OK ? Ici. Donc, toi, tu fais ton travail. Bon. Et là, pareil. Lui, il vient pour poser un écran. Donc, on va contester son déplacement. Stop. OK ? Alors, on a une défense où on veut monter d'une ligne. Si jamais moi je demande à ce joueur-là de l'aider en bas, okay, on ne va pas être cohérent vis-à-vis de ce qu'on veut. Donc on va lui demander, toujours pareil, de monter sur la ligne. C'est-à-dire que si lui, il passe au-dessus, vas-y, tu reçois, là, il peut être aidé. Par contre, s'il passe en dessous, tu vas te débrouiller. Okay, c'est ton job, tu te débrouilles. C'est du 1 contre 1. Okay, c'est bon pour toi? Tu vas le mettre dans ta poche? Allez. Stop. Pourquoi tu t'arrêtes de le défendre? Reprenez. Je t'avais prévenu. Hein. Encore. Stop. Qu'est-ce que vous avez fait en défense?
Vous avez changé. OK? Donc, vas-y, prends la balle. On va en avoir besoin. Vous avez changé. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Petit contre grand. On garde le même principe. Petit contre grand, même principe. Si tu arrives à le mettre dans le dos, passe lobé. Intervention directe. Il intervient. Tu rentres. Il intervient. Tu rentres. Il intervient. Tu rentres. OK? Et on laisse le joueur sous pression. OK? Donc, vas-y. Reprenez. C'est pas notre volonté. Si ça arrive de, si c'est pas notre volonté de switcher là-dessus, mais si ça arrive, OK, on va s'organiser, rester devant, forcer une passe lobée et intervenir sur une trappe directe. Stop. Reprends. Lui, il peut t'aider. OK, mais pas indéfiniment. OK. Donc si tu vois que tu es battu à un moment donné, tu peux toujours communiquer avec lui pour lui demander de changer dans une situation d'urgence. Mais à mon avis, tu as l'espace pour reprendre ton joueur. Allez, encore. Qui intervient sur la balle? Qui intervient sur la balle? Ne le laissez pas faire son flotteur en toute tranquillité. Forcez-le à chercher une passe de plus. Retardez le moment du tir. Tout le temps vouloir retarder le moment du tir. On reprend. Allez, c'est pas grave. Même si vous ne jouez pas votre position. Stop, stop, stop. Reprenez. Tu feras gaffe, il y avait un joueur seul de ce côté. Donc ton aide, elle est bien, mais tu défends personne au départ. Allez, reprenez. Encore, pression sur la balle. Encore, pression sur la balle, décroché. Tiens ton duel. Tiens ton duel. Les mains, close out. Très bien. OK. OK, très bien. OK. Merci les gars. Merci les gars. Merci. Merci. Donc, l'objectif l'objectif de l'intervention, c'était de montrer la philosophie générale de cette défense ouverte. Évidemment que pour la perfectionner, il faut repasser énormément de temps. Je commence toujours en global et ensuite on va repartir à 4, à 3, à 2, à 1 sur les attitudes pour ensuite retourner vers des situations collectives. Mais après, avec l'équipe, c'est une situation de travail quotidienne. C'est-à-dire que même le jour de match, on va avoir une dizaine de minutes de positionnement sur notre défense où là, on va encore rappeler des détails et où on va ajouter tous les détails stratégiques par rapport aux joueurs qu'on a en face de nous. Okay? Parce que parfois, on va pouvoir se retrouver avec des situations où on va vouloir venir fermer l'intervalle encore plus proche si je défends sur un non-shooter, par exemple. Okay? On va pouvoir refermer les espaces. Okay? Peut-être que sur certains joueurs, okay, on va au contraire ouvrir l'espace d'un pas de plus si j'ai un fort shooter. Okay? Même chose sur les joueurs intérieurs. Okay? Il va y avoir certains détails sur lesquels il y a des joueurs, par exemple, qui ont des difficultés à poster. Ben, au lieu de trop se livrer, parfois, ben, on va leur laisser recevoir la balle dans cette zone-là et travailler, si ce n'est pas des très bons passeurs, pour peut-être qu'on provoque des collaborations et des pertes de balles. Okay? Donc après, ça va être de l'adaptation. Mais si on doit garder trois idées principales, la première idée, c'est l'idée de pression sur la balle. Parce que si on n'a pas de pression sur la balle, ben, toutes les passes directes sont possibles. Nous, on veut forcer à ce que le joueur soit en protection et qu'il soit obligé de changer les angles de ses passes. Ça, c'est la première idée.
La deuxième idée, c'est de constamment se replacer avec une aide courte et une aide longue. Okay? Et la troisième idée, c'est l'idée des objectifs généraux, de dire prioritairement, on veut empêcher l'action directe vers le cercle, qu'elle soit en dribble ou qu'elle soit en passe. Et on veut forcer le jeu à être latéral. Okay? Ça, c'est les trois idées générales. Okay? Mais ça, ça n'a de sens que si, à partir de là, pour moi, on réussit à se projeter et à avoir des situations où on va utiliser le fait qu'on soit ouvert à la balle pour prendre les couloirs, prendre de la vitesse et agresser le cercle. OK ? Donc, c'est pour ça aussi que j'ai volontairement laissé des situations de demi-terrain s'exporter sur le tout-terrain en permanence, même si on n'a pas trop agi, coaché le jeu de transition, etc. de l'autre côté. Mais parce que pour moi, la situation défensive complète, c'est la situation défense-relance. Parce que c'est que comme ça que pour moi, on va réussir à faire un effort défensif, peut-être verrouiller le rebond, peut-être de temps en temps même prendre un panier, mais relancer constamment. C'est-à-dire que ici, on est sur le contrôle. De l'autre côté, on veut mettre la pression le plus vite possible sur la défense adverse. Parce que, vous avez vu, nous, on essaye de monter sur les lignes de passe. Si on met vite la pression, on va descendre la ligne défensive adverse. Ce qui va nous permettre ensuite des passes de transition, des tirs à trois points sur le renversement. Okay? Ça, c'est important dans notre jeu. Voilà. Bon, j'espère que j'ai fait passer ces idées correctement. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on peut prendre 5 minutes pour répondre à quelques questions à Guillaume. Tu parlais tout à l'heure de contester un petit peu de l'agressivité sur la balle et de contester un petit peu les passes pour la ralentir. Alors je ne sais pas si c'est le fait de l'intervention ou si c'est différent de ce que tu mets en place, mais je trouvais que la défense à une passe était très basse pour fermer l'intervalle. Et est-ce que c'est aussi un moyen que tu envisages pour, contester un petit peu plus cette première passe et ralentir le ballon? Ou si aujourd'hui on ne peut pas tout contrôler sur une intervention, ou si c'est un petit peu différent sur ta mise en place pour perturber les relations de passe, on va dire. Voilà. Je pense que sur la situation globale, au départ, forcément les joueurs se protègent un petit peu, donc ils redescendent d'un cran, et si on prend confiance, on va monter d'un cran. À partir du moment où on monte d'un cran, cette passe-là, peut-être qu'on va ouvrir des flares, peut-être qu'on va ouvrir des backdoors, mais c'est que quand on aura confiance dans cette deuxième ligne qu'on va monter d'un cran. Et je pense qu'on n'a pas atteint ce stade-là. Peut-être qu'on aurait pu mettre en place des situations pédagogiques pour le forcer, mais on va chercher ça. Alors après, la différence, c'est que sur le repli défensif, bon, on est en pression ici, le joueur est en train de monter la balle, okay, on va s'ouvrir, et là, pour l'instant, si le joueur se démarque, okay, on va quand même être en contestation, et après, quand ils vont arrêter leur jeu de transition, on va se replacer dans les intervalles. Première ligne, deuxième ligne. Mais c'est vrai que on tolère toutes les passes de construction, c'est-à-dire qu'on n'a pas volonté et pas de velléité à les couper. Mais par contre, on veut casser les lignes. Pour que lui, s'il veut faire cette passe-là, eh bien en fait, ils doivent chercher ça. Pour allonger les distances entre les partenaires. Avec toujours notre idée que si... Nous, on n'a presque pas besoin de bouger si on est en position qui nous permette de défendre un joueur et demi. À partir du moment où les joueurs cassent les lignes, okay, ben on reste en confiance. Là où on va avoir des difficultés, c'est surtout sur les actions à l'opposé de la balle. Type, il y a du jeu de ce côté, le ballon va être renversé avec un flare pick, avec des actions dans le dos du jeu. Et comme les mecs sont face au jeu, le moment de la reprise ici est plus complexe. Donc, ce qui va conditionner qu'on arrive à être performant, c'est la pression sur la balle. Si on laisse faire ses passes, ben, ici, là, on peut se faire punir. Okay, c'est réel. Hein.